Je ne réponds qu'aux questions d'un public plus large qui ne fait aucune pratique. Un jour, j'arrêterai le divertissement. Totalement. Je ne suis pas du genre à vous donner une conclusion. Je suis un processus. Si vous êtes prêt à être un processus de croissance, je suis là pour vous. Vous voulez une conclusion? Je vais vous frustrer. L'intérêt de faire la sadhana est que toutes les questions vont brûler, pas que vous allez trouver des réponses. Ne croyez jamais que votre intellect saura, il ne saura pas. Namaskaram Sadhguru. Sadhguru, j'ai des centaines de questions. Je voudrais juste en poser une. Je voudrais savoir les pratiques que vous proposez, le Hatha Yoga, Shambhavi, Shaktishana et le processus Samyama. Et si on pratique ça intensément, avec implication, est-ce que j'aurai des réponses à toutes mes questions? Non, aucune de vos questions n'aura de réponse. Je ne réponds qu'aux questions d'un public plus large qui ne fait aucune pratique. Ceux qui pratiquent intensément tous les jours, est-ce que j'accepte une seule de leurs questions ou réponds à une seule de leurs questions? Non, je ne le fais pas. Parce que l'idée derrière la sadhana est que toutes les questions vont brûler, pas que vous allez trouver des réponses. Si vos questions ont disparu, que signifient les réponses? Les gens qui ne font rien pour leur bien-être intérieur, mais pensent qu'en posant une question et en entendant une réponse, leur vie va être réglée, on les divertit encore. D'accord? Un jour, j'arrêterai le divertissement. Totalement. En ce moment, c'est toujours là. Un jour, ce ne sera disponible que pour ceux qui font intensément leur sadhana. Pour le reste, ils doivent écouter YouTube. Parce que, vous savez, le vieux cinéma est toujours divertissant. Parce que vous devez comprendre cela. Les questions viennent d'un endroit qui ne peut jamais savoir. Cet endroit d'où vous posez des questions n'est pas capable de savoir quoi que ce soit. Il veut une conclusion. Je ne suis pas du genre à vous donner une conclusion, je suis un processus. Si vous êtes prêt à être un processus de croissance, je suis là pour vous. Vous voulez une conclusion? Je vais vous frustrer. Parce que, quel est l'intérêt d'une conclusion? C'est un processus continu. Et le processus devient tellement beau et grisant que peu vous importe où est la conclusion. Alors, vous n'avez plus aucune question. Donc si je fais toute ma sadhana, vous en parlez comme s'il s'agissait d'un processus de torture. Que si je fais tout cela, est-ce que toutes mes questions vont trouver une réponse? Vous voyez, ceci s'est produit. Shankaran Pillai. Hey, ce n'est pas juste, ce n'est pas toujours drôle, parfois c'est sérieux. Shankaran Pillai demande le divorce. Pendant le divorce, dans le formulaire rempli au tribunal, il dit, je demande le divorce pour cause de maladie et d'épuisement. Le juge voit ça et demande, c'est quoi cette maladie et cet épuisement?
Alors Shankaran Pillai dit, ça c'est le travail de mon avocat, j'ai simplement dit qu'elle me fatigue. Donc on peut répondre aux questions de bien des façons. Donc, en tant que débutant, si vous avez des questions, parce que c'est ainsi que l'aspiration débute, sous forme de questions. C'est bien. On n'est pas contre les questions. Mais je veux que vous sachiez, l'endroit d'où toutes ces questions sont produites, cet endroit est incapable de savoir. C'est comme ça. Vous savez, faites-vous ceci? Ne le faites pas. Non, vous devez le faire quelque part, au moins dans votre salle de bain, vous devez faire ça. Vous ne devriez pas le faire partout. Donc pourquoi faites-vous cela? Pour nettoyer vos narines. Donc, après un certain temps, si vous demandez « est-ce que mon doigt peut respirer ?» Il peut nettoyer le passage, mais il ne peut pas respirer. Alors ne croyez jamais que votre intellect saura. Il ne saura pas. Il pose des questions parce que c'est comme ça pour le moment, c'est bien. Rien de mal à ça.